cas, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui, enfin ce soir, dans l'occasion de ce colloque, et pouvoir bénéficier des expériences respectives de Nathalie, de Benoît, d'Éric et de Dominique, bien entendu. Donc on espère que vous trouverez cette soirée extrêmement enrichissante. On fera le maximum pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Donc on va faire, vous allez voir, parce que notre petite affaire, Dominique va nous expliquer dans quelques instants l'émergence du trail, et après on passera sur la thématique particulière de préparation par rapport à ça, et il y aura bien sûr, pour finir, un temps de questions ouvert à tout le monde. Les petits marathoniens comme ça, ils ne sont pas très à l'aise. Donc Benoît, il a quand même un beau gabarit. Hein. Donc Benoît, je sais que lui, il fait la côte de Gazonfier, mais la vraie, celle que font les courses cyclistes, c'est-à-dire, moi, c'est dans le parc derrière, c'est ça, hein, Benoît, ton travail de côte. Ouais, c'est la rue de Gazonfier, donc elle fait 300 mètres à peu près. 296. Et ça monte jusqu'à 20%, voilà, pour ceux qui ne sont pas du Mans. Donc l'avantage, c'est qu'il y a des escaliers de chaque côté. Donc ça peut varier aussi la côte, en général je passe une fois à gauche, au milieu, à droite, puis je reviens comme ça. Donc je monte jusqu'à 15 fois, mais j'essaie de faire au moins 50 minutes de footing avant, assez soutenu, pour arriver déjà en type pré-fatigue. Et après voilà, jusqu'à 15 fois la montée, donc ça me fait une 30, une 40, ça dépend. Donc c'est pas des montées vraiment à fond, parce que de toute façon on peut pas y aller à fond. Mais la redescente se fait aussi rapidement, pour éviter de récupérer trop musculairement justement. Et pareil derrière, une récup de... au moins d'un quart d'heure, donc la séance elle peut aller de 1h45 à 2h, donc avec quand même un travail de 30-35 minutes dans les côtes. Et à ça, souvent j'ajoute dans la semaine une séance de PPG avec en accent un petit peu sur le travail de renforcement musculaire. C'est plus dans les côtes, des petites côtes inclinées ou que je me fais au chrono pour me forcer à courir vite à mon rythme. En plus, souvent, c'est des séances que je fais toute seule, donc du coup, c'est bien, j'ai pas la concurrence, je me mets pas la pression, mais faut quand même garder un petit fond de vitesse, parce que de toute façon, c'est toujours utile, et puis même quand on est super crevé, qu'on a couru déjà depuis de nombreuses heures, et bien savoir relancer et savoir courir vite, c'est essentiel. Parce que les trailers qui bossent pas... Qui bossent pas les notions de vitesse, qui font pas de vitesse, qui font pas de PPG, tout ça, bon, vous le voyez rapidement, hein, en haut d'une bosse, ils relancent rien, quoi. Voilà, je voulais savoir comment on aborde une course de prépa. Est-ce qu'on se fixe un objectif, mais je sais qu'on porte un dossard, on a envie d'attraper celui qui est devant, etc. Mais comme c'est une course de prépa, le but, je pense que c'est pas de se faire mal et de récupérer derrière. C'est vrai que les courses de préparation. L'idée de faire une course, c'est de la faire à fond, hein, pour moi. C'est pas la peine d'aller faire une sortie avec des copains sans dossard, ça sera aussi bien si on veut pas être à fond. C'est pour ça qu'il faut, si on prépare, moi j'en ai vu qui en préparant un 60 km vont faire un 50 km. Donc la course de préparation, elle va plus faire mal qu'autre chose, quoi. Donc l'idée, elle est là, hein, quand on prépare un 60-70 km en trail, on peut faire un 30, allez, maxi 40 km, je dirais jusqu'à 5 semaines avant. Après, dès qu'on rentre dans les 5 semaines, c'est aussi, moi, obligé, le côté psychologique. C'est, allez, on fait la dernière compète, il reste un mois, on se met vraiment dans l'objectif, et là, on pense qu'à l'objectif final.